Salut les amis, c'est Crisco Rider. Donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester la nouvelle MT-09 SP millésime 2021 qui sera directement en comparaison avec la mienne parce que c'est également une MT-09 mais de modèle 2019. La monture des pneus exactement la même, donc ce sera du S22. Donc elle est prêtée par le garage Morosini Yamaha Tu que je remercie évidemment pour m'avoir prêté la moto pour que je puisse faire un essai. Donc cet essai se fera en 3 points. Donc d'abord l'esthétisme général, donc je ferai une comparaison par rapport à la mienne. Les qualités, les défauts visuels maintenant qu'on peut voir au niveau de la moto. Le confort, que ce soit au niveau du siège de commode ou de position de conduite. Et la motorisation maintenant, voir les améliorations qui ont été apportées, en sachant que le couple a été donc amélioré. La puissance a été améliorée. Pour l'Euro 5, c'est une sacrée prouesse. Donc j'ai un regard particulier évidemment sur l'accélérateur, dont on en dit un grand bien maintenant au niveau des différents tests qui ont été faits. Et là je pourrais comparer directement par rapport à la mienne. Donc là moi j'ai trois modes, j'ai le mode B qui est le mode pluie, le mode standard qui sera le mode que j'utilise le plus maintenant pour rouler, donc offrant le meilleur compromis, et le mode A qui est le mode on-off, donc j'attaque, j'accélère, et je ne pense qu'à ça. La nouvelle MT-09 SP 2021 donc propose 4 modes de conduite. Donc là je suis vraiment impatient en fait de faire cet essai, mais on y est bientôt. Mode comme tu avais sur la tienne ici, c'est directement ici. Pour te mettre sur le D-mode, donc le TCS ou les cartographies moteurs. D-mode, donc c'est les cartographies moteurs. Tout simplement, on peut aller changer en descendant ici sur les flèches. Donc le niveau 4, c'est une poignée de gaz beaucoup moins franche et un moteur bridé. Le 3, c'est un moteur débloqué mais une poignée de gaz moins franche toujours. Le 2, c'est un mode standard, et le mode 1, c'est le mode sport. Pareil, donc ici, tu peux appuyer sur le TCS. Donc le traction control, il est réglable en 3 points, cette fois-ci. Donc le 2, donc le mode vraiment pour quand il fait bon et qu'on va attaquer. Donc le mode, entre guillemets, sport du TCS. Le mode 1, donc c'est le mode le moins actif. Et on a le mode manuel. Ouais, c'est bien plus complet, en fait, que la mienne, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Ouais, parce que là, c'est le strict minimum sur la... sur l'autre modèle. Ça n'a plus rien à voir. Et après, bah pareil, tu as le régulateur de vitesse. Donc ici, on vient appuyer une fois pour l'activer au compteur. 50 km/h, quatrième, non, d'après ce que j'ai pu voir, non oui, la limite. Ouais. Et puis après, bah, tu choisis ta plage de kilométrage. Quoi. Tu te mets à la vitesse désirée et tu appuies une fois sur Sate. Et là, il se bloque à la vitesse que tu as engagée. Que tu débrayes, que tu freines du frein avant, que tu pousses la poignée de gaz vers l'avant, il y a un petit capteur. Ou que tu freines du frein arrière, ben, elle se met sur pause. Et pour réactiver, je peux, pour revenir à la vitesse, on appuie au-dessus, je suppose. Ouais, tout simplement. Celle-là, elle est équipée des cale-pieds passagers, Gilles Stulins, des platines avec le support complet Gilles Stulins, le petit autocollant de réservoir, des parachutes, des protections d'axe, la grille de radiateur. Et puis la bulle et tout ça n'est pas encore sorti, hein, je suppose. On l'attend. On l'attend, oui. Ouais, c'est bien. Bah, elle est belle. Ouais. En SP, moi, je la trouve sympa. Ouais, le coup. Et puis ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne. C'est ça qu'on va voir. Voilà. Bon, bah, on va l'essayer. Hein.
premier tour de roue. Alors on sent déjà que l'accélérateur n'a rien à voir. C'est souple. Oui, c'est le shifter à bas régime. Ah oui. Ah, il fonctionne même là. Donc là, je suis en mode 4, donc normalement en mode bridé. On va commencer en douceur, on la connaît pas. Bon, la position ne change pas vraiment. Au niveau du siège, ça a l'air d'aller. Par contre, je trouve qu'on a un meilleur maintien au niveau des genoux. Là, il faut couper les gaz pour changer de mode. Alors, je suis passé en mode 2. Alors, au niveau sonorisation, c'est intéressant parce que ça donne bien. Pour un pot d'origine, c'est vraiment incroyable. Et on a l'impression que le son il vient de partout. Par contre, une commande d'embrayage réglable serait intéressant pour moi parce que je la trouve un peu éloignée. Donc première impression que j'ai au niveau de l'accélérateur maintenant, c'est que bon, elle est toujours aussi puissante, mais par contre elle donne moins d'à-coups. Donc c'est beaucoup plus souple maintenant l'utilisation, donc bien plus agréable. Ça c'est vraiment une grande constatation. Oui, elle part, mais sans donner cet à-coup en fait que l'autre donnait, qui pouvait des fois surprendre. Donc pour la position de conduite, donc je suis assez bien droit, à peu près comme la mienne, avec une impression quand même que le guidon est plus court. C'est à confirmer. Le shifter, c'est génial. C'est génial. Oh, quelle souplesse. Regardez. C'est souple. Il se porte mieux dans les virages. Donc on peut rétrograder aussi, mais il faut lâcher les gaz. Ah, quel plaisir. Ah, quelle souplesse. Mais c'est génial. Ah, ça n'a rien à voir avec la mienne. Il faut monter dans les tours, vraiment pour qu'elle ne claque pas. Si, j'ai l'impression que même à bas régime, franchement, ça marche super bien. Là, je vais être franc, moi, le cul shifter, je l'utilise jamais. Je le trouve tellement désagréable. Il faut péter dedans comme un malade pour qu'il soit utilisable. Ici... Ah, regardez, ça passe tout seul, c'est vraiment génial, génial. On lâche les gaz, on rétrograde, il n'y a pas d'à-coup. C'est fluide. Ah, c'est génial. Je crois que je vais me répéter plusieurs fois là. Alors, si je me rappelle bien, pour actionner, voilà, le régulateur. Voilà, plus là, on y va. Normalement, c'est génial. Ah, j'adore. On va lui laisser un peu avancer. 7. Ah, c'est génial. Et enfin, on peut se reposer les deux mains. Ah, j'adore. Si on appuie, on peut augmenter. Là, on diminue. Ça augmente. Je le coupe, je rappuie sur ça, sur le risque. Et ça reprend la vitesse en fait qu'on a choisi. Franchement, rien à dire. Plus
ça tient super bien son cap. Donc ce modèle 2021 maintenant donc a un tout nouveau châssis. Ils ont retravaillé également l'inclinaison du moteur, donc grâce à ça, et dès les premiers tours de roue, on ressent vraiment une amélioration au niveau du train avant. Il est beaucoup moins flottant et on s'y retrouve beaucoup mieux, on sait exactement où ce qu'on va. Moi, en toute honnêteté, je pensais voir une différence. Je me suis dit, bon oui, il y a quelques améliorations par rapport à la mienne. C'est quand même grosso modo, donc pour moi à la base, le même modèle, les mêmes amortisseurs, donc le Linz, le Kayaba à l'avant. Mais non, tout le travail qui a été fait autour est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc là maintenant je suis en mode 2, donc je vais passer au mode 1 qui correspond au mode A sur la mienne. Donc moi je l'utilise jamais parce que c'est du on-off, c'est je tords l'accélérateur et la moto elle démarre d'un coup. Pour moi c'est assez désagréable. Ici je vais faire la comparaison. Ça n'a rien à voir. Même si vous avez beaucoup de patates, une puissance qui vient quasiment directement, c'est souple. Vous n'avez pas cet à-coup, vous n'avez pas cette impression en fait directement que ça tire sur les bras, à la limite qui était désagréable sur la mienne. Là non, ça reste vraiment gérable. C'est agréable. C'est vraiment agréable. Oh, ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit maintenant, je pense que c'est agréable ici, pour faire un peu le tour de la moto. Donc on va parler déjà de l'avant, donc on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve qu'elle est bien plus belle maintenant à voir en vrai que tout ce qu'on avait vu en image. Le pot d'échappement avec une sortie de chaque côté. Je suis vraiment étonné maintenant du son qu'elle sort. Pour un pot d'origine, c'est vraiment génial. Elle fait vraiment un beau bruit. Là, j'ai été vraiment surpris. Alors ça, les amis, ce quick shifter là n'a rien à voir avec le modèle que j'ai, donc le modèle 2019. Que ce soit en haut ou en bas, elle est d'une souplesse. C'est vraiment génial. Donc là, on voit qu'Yamaha a vraiment mis en fait un shifter de qualité. Donc au niveau moteur, donc elle passe de 115 chevaux à 119 chevaux, toujours à 10 000 tours minute. Mais c'est au niveau du couple qu'elle a été maintenant améliorée, malgré le passage à l'Euro 5. Donc ça, c'est vraiment une super performance de Yamaha. Elle passe de 87 à 93 Nm. Donc ce couple est disponible donc à 7 000 tours minute, comparé à la mienne où elle arrivait à 8 500 tours minute. Donc là, c'est encore une excellente performance de la part de Yamaha. Donc pour la fourche à l'avant, c'est une fourche inversée Kayaba. Sauf que le débattement est de 130 mm. Comparé à la mienne qui était de 137 mm, et à l'arrière, donc c'est toujours l'amortisseur Hollins. Petit point que j'aurais pu améliorer maintenant, donc c'est au niveau ici du klaxon, je pense qu'il est un peu trop visible. Les deux cosses qui sont là donc sont apparents, donc ça me paraît un peu étonnant. Donc j'espère qu'avec le temps, ça ne va pas s'user trop vite. Oh, peut-être juste cette petite gaine là que j'aurais pu cacher aussi, avec une finition qui est un peu moyenne, mais bon, à part ça, esthétiquement, franchement, elle est très très jolie. Et ils ont fait le choix également de laisser le régulateur ici de tension visible, donc où la mienne, il y avait un cache. Mais pour le reste, franchement, je la trouve vraiment très très bien. Ce bras aussi en là qui est magnifique. L'utilisation des Komodo, donc, ont été reprises de la MT-10. Pour moi, franchement, elles sont très pratiques. J'ai aucun souci là-dessus. Donc, le régulateur de vitesse, c'est vraiment génial. Donc, le châssis a été complètement revu. Et ça se ressent au niveau de la conduite. Le moteur a été incliné différemment de façon à donner un peu plus de poids vers l'avant, ce qui donne plus de précision sur le train avant. Et je garantis que quand on roule, on le sent tout de suite. C'est vraiment génial. Pour la sonorisation maintenant au niveau du pot. Donc je le rappelle, donc c'est un pot avec une double sortie. Donc vous avez une sortie de chaque côté de façon à avoir, on va dire, un genre de son en 3D. Donc c'est-à-dire qu'il vient des deux côtés maintenant du casque. C'est vraiment, vraiment surprenant et agréable. Thank you.
voilà, c'était une vidéo donc sur l'essai de la MT-09 millésime 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc prêtée par le garage Morosini à Tu, que je remercie mille fois, agréablement surpris par les améliorations. Et j'espère faire l'essai d'autres motos. Donc je vous ai déjà dit, la 13R9 GT m'intéresse beaucoup pour avoir un point de vue, une idée maintenant sur ce type de moto là. Et puis moi, sur ce, je vous dis salut et à très bientôt. Ciao ciao.